Merci pour l'introduction. Chers participants à cet impressionnant colloque, on a vraiment l'impression que l'histoire est en train de s'occuper de nous et qu'on est en train de s'occuper de l'histoire avec un grand H et une histoire qui concerne l'agriculture du futur, des sols vivants. Et dans la ligne de ce qu'on vient d'entendre, qui a été évoqué, on a entendu parler de couvert végétal, on a entendu parler de cycle de l'eau, on a entendu parler de réoccupation des terres par les arbres. Là, je vais proposer un focus sur quelle est la relation entre les arbres et l'eau, et qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'eau dans les arbres. Et de quelle manière est-ce que ça fait profiter tout l'environnement des arbres en termes d'eau? Vous avez encore en mémoire cette image d'Éthiopie, de cette acacia, avec non seulement une couronne verte, mais c'est comme une pluie de verdure sous l'arbre. Il y a de l'herbe, mais juste sous l'arbre et pas plus loin. Et c'est un magnifique symbole pour montrer à quel point c'est au départ de l'arbre que les choses redeviennent vivantes. Et j'aimerais juste évoquer quelques éléments dans ce sens-là, l'eau dans les cycles biologiques de l'arbre, des arbres et des forêts naturellement. C'est clair, on a tout ça à l'esprit. Le moment est très sérieux, les crises sont en route, sont en train de se concentrer. Tout le monde, et en particulier la jeunesse, se rend compte qu'il faut faire quelque chose de concret. Et là, on est en train d'en poser les bases. Toutes ces tendances, température de l'atmosphère, perte de biodiversité, perte des forêts tropicales, surconsommation du point de vue énergétique, la plupart de ces tendances qui sont en train de prendre l'ascenseur de manière dramatique, et ça continue depuis l'an 2000, ont un lien avec l'eau, que ce soit une question de température, que ce soit une question de concentration en CO2. On vient de voir que le retour est toujours lié à un retour sous forme d'eau, et les forêts sont aussi impliquées dans ces cycles de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant concernant la relation entre les plantes et l'eau? On ne va pas partir des zéros, il y a déjà des magnifiques choses qui ont été faites. On s'est rendu compte que l'eau a ses lois, les arbres ont leurs lois, l'agriculture vivante est fertile à ses lois, c'est-à-dire le respect de la vie. Et lorsque vous redonnez aux fleuves, par exemple, leur cours naturel, ça c'est un fleuve qui a été renaturé. Avant, c'était un fleuve endigué, on lui a redonné sa liberté. Il refait ses méandres et ça permet de réalimenter la nappe phréatique. C'est une eau qui redevient vivante et qui perd sa dangerosité lors d'inondations. Voilà ce qui est en train de se faire. C'est un changement de paradigme par rapport à ce qu'on voulait faire avant, c'est-à-dire domestiquer la nature à 100%. On lui redonne sa liberté et ça nous vient en retour de façon multiple. Et lorsqu'on étudie les arbres en détail, lorsque vous regardez exactement comment fonctionne la photosynthèse, et ça c'était un des buts de mon livre dont on vient de parler, c'est de montrer la vraie photosynthèse, pas celle simplifiée que vous trouvez dans le petit Robert ou comme ça, ou même dans des livres de biologie, de botanique. En général, on parle de 6 CO2 plus 6 H2O, énergie solaire, ça donne de la biomasse plus de l'oxygène. C'est déjà extraordinaire, mais c'est beaucoup plus intéressant que ça. En fait, il y a 12 molécules d'eau qui entrent dans ce cycle, avec l'énergie solaire, tout ça dans un système vivant. Il ne faut pas oublier que c'est dans une enveloppe vivante que ceci a lieu. Ça donne du glucose, pour simplifier, donc de la biomasse vivante. Ça donne effectivement de l'oxygène et ça donne de l'eau. Et cet oxygène est nouveau, mais l'eau aussi, c'est de l'eau nouvelle. Comment est composée cette eau qui sort de la photosynthèse? L'hydrogène provient de l'eau qui a été décomposée, mais l'oxygène de l'eau nouvelle, ici tout au bout, provient du dioxyde de carbone. Et c'est très intéressant parce que ça se fait de manière relativement considérable sous forme de poids. Pour 180 grammes de glucose formée, de biomasse formée, vous avez 108 grammes, donc plus des deux tiers, qui sont de l'eau nouvelle. Donc la photosynthèse
fait de la biomasse, fait de l'oxygène qu'on peut respirer, mais à l'intérieur de la plante reste stocké dans le tissu cellulaire, dans le cytoplasme des cellules, de l'eau qui n'a encore jamais existé. C'est le point de naissance de l'eau. L'eau est un être vivant, pourrait-on dire. Elle a quelque part un moment où elle est dégradée, où elle est hydrolysée, la mort de l'eau, mais il y a un endroit où l'eau a sa naissance, trouve sa naissance dans la photosynthèse. C'est valable pour toutes les plantes, mais en particulier pour les arbres, parce que les arbres la font de manière beaucoup plus intensive et dans d'autres niveaux structuraux. Ce que les arbres reçoivent comme, comme insolation, ce n'est pas tout à fait identique à ce que reçoivent les plantes herbacées. Il y a toute une dégradation ou bien toute une hiérarchisation de l'impact solaire à l'intérieur d'une couronne d'arbres. Vous avez des feuilles de lumière et vous avez des feuilles d'ombre. Donc on peut imaginer à quel point tout ça s'est différencié. Voilà ce qui est caractéristique pour les arbres. Donc pour une tonne de CO2 qui entre dans la fabrication de 1 mètre cube de bois, on a 0,7 tonnes d'oxygène qui est dégagée et 0,3 tonnes d'eau nouvelle, d'eau structurée, qui est dans le système. Voilà ce que font les arbres en particulier. Alors ça, on peut le reprendre. 1000 kilos signifie 541 kilos d'eau nouvelle formée lors de la biosynthèse du bois. Ça, c'est un élément important. Et là, on peut mettre ça en regard avec l'eau nécessaire pour faire cette photosynthèse. C'est un cycle d'évapotranspiration qui nécessite à peu près 200 à 350 litres d'eau pour fabriquer un kilo de biomasse. Encore une fois, les arbres sont beaucoup plus efficaces que les plantes annuelles. Les céréales ont un coefficient de 500 à 650 kilos d'eau, litres d'eau, pour faire un kilo de biomasse. Les arbres sont deux fois plus efficaces avec la même eau disponible dans le sol. Les légumineuses sont assez, assez demandeuses en eau, donc on voit l'intérêt d'avoir des arbres dans ces systèmes pour faire de l'eau le mieux possible, le plus possible. Donc ici, dans ces systèmes, on a l'évapotranspiration, formation de biomasse, et on a une dérivation interne, pourrait-on dire, de 0,5 kg d'eau par kilo de matière sèche. Et cette eau est vraiment particulière, il y a des livres, il y a des observations sur les particularités de cette eau qu'on a dans les légumes qu'on croque, dans les fruits qu'on presse, dans les fruits qu'on cueille le long du chemin de randonnée. C'est des fruits qui désaltèrent de manière incomparable par rapport à de l'eau qu'on a dans sa gourde, parce que c'est une eau particulière. Et ce qui est intéressant, c'est que cette biomasse se forme, est disponible, mais une grande partie de la biomasse des sols se dégrade, effet de la fertilité du sol, on a bien entendu, avec toute la vie du sol. Donc c'est la décomposition de la matière organique. C'est le C6H12O6, le glucose, pour simplifier, ou le bois, qui s'oxyde avec l'oxygène, qui va redonner du dioxyde de carbone et de l'énergie disponible pour les micro-organismes, par exemple, et ça redonne aussi de l'eau nouvelle. Ici, il n'y a pas d'eau comme intrant, et comme sortant de cette équation, vous avez de l'eau. Donc, il y a deux fois de l'eau nouvellement créée à la biosynthèse et lors de la dégradation, vous avez deux fois de l'eau nouvelle. Et ici, pour une molécule gramme de glucose, vous avez 108 grammes, une molécule gramme d'eau, 108 grammes d'eau pour 180 grammes de glucose, vous avez 108 grammes d'eau, ce qui représente 60%. Et maintenant, si on prend le cycle dans son ensemble, si on laisse cette biomasse ligneuse se former et se dégrader, vous avez de la photosynthèse pour la formation 108 grammes d'eau, et lors de la décomposition, si on laisse la nature elle-même, vous avez encore une fois 108 grammes d'eau. Donc ensemble, ça donne à peu près 216 grammes pour 180 grammes. On a 1,2 fois la biomasse qui entre dans le système sous forme d'eau nouvelle. Donc on pourrait presque dire que la photosynthèse, c'est encore plus une question d'eau régénérée qu'une question de biomasse vivante. Mais ce qui est sous forme de biomasse vivante nous intéresse énormément aussi. Mais n'oublions pas l'eau, elle est beaucoup plus importante que ce qu'on imagine.
Bon, alors lorsque cette biomasse ligneuse se décompose, c'est visible aériennement, mais il y a des racines souterraines qui ont vécu, qui ont poussé, qui se décomposent aussi. Chaque automne, vous avez les chutes des feuilles, mais vous avez le changement des racines, le dépérissement des racines et des nouvelles racines qui se forment. Et ça, c'est sous une forme très particulière. C'est à haute teneur en lignine, à peu près 30% de lignine dans la masse ligneuse comparativement aux plantes herbacées. Et ça, c'est précieux parce que c'est garant de stabilité des sols. La lignine se décompose beaucoup plus lentement que la cellulose, par exemple. Donc, cette eau nouvelle qui est relâchée lors de la décomposition est relâchée très, très lentement. Les cultures en butte profitent de ça pendant des années et presque des décennies lorsque vous avez enterré du bois qui se décompose lentement, qui donne de la chaleur. C'est donc, on a vu l'énergie lors de la décomposition et de l'eau nouvelle. Très, très lentement. Et les plantes profitent de cette eau nouvelle différemment que si c'était simplement d'eau d'irrigation qui vient avec tous les problèmes qu'on connaît. Donc, notre challenge, c'est de faire passer ces 100 par million supplémentaires de trop dans l'atmosphère, les faire réintégrer dans le sol. On a entendu parler du 4 pour 1000, ça peut être beaucoup plus intensif. Construire en bois, construire en paille. Toute l'agriculture est appelée à enfin faire ses structures avec ce qu'elle a à disposition, et n'ayant pas de l'acier et du béton, mais construisons avec la terre crue. On a vu des mottes indestructibles, mais faisons-les pour construire. On a vu qu'on peut utiliser la paille, on peut utiliser le bois. Tout ça, ça permet de construire à basse énergie et en plus à stockage de carbone. Voilà la nouvelle manière de construire et en plus, naturellement, restocker le carbone dans les sols. Et les produits annexes sont intéressants. Comment remettre ces systèmes agricoles dans un équilibre écologique, cette transition écologique? Il y a quelques notions qui sont très importantes, qui nous changent le regard. Dans une minute, vous allez voir les choses autrement. Qu'est-ce qui est caractéristique du vivant? On veut une agriculture des sols vivants. On veut une nature qui soit de nouveau vivante, pas une nature agressée qu'on pollue et qu'on fait mourir à petite chimie. C'est tout ce qui caractérise le vivant. Vous pouvez le vivre pour vous-même, mais la biologie est en train de le découvrir extrêmement tard, mais elle le découvre. Ce qui caractérise le vivant, que ce soit des unicellulaires ou des systèmes multicellulaires, ce n'est pas le noyau cellulaire. Parce qu'il y a des êtres vivants, il y a des procaryontes, des cellules qui ont un cytoplasme, qui fonctionnent comme système vivant, mais qui n'ont pas de noyau. Mais elles sont vivantes. Et qu'est-ce qui est vraiment commun à tout ce qui est vivant, unicellulaire avec ou sans noyau ou pluricellulaire? C'est la membrane cytoplasmique. On a longtemps cru que c'était simplement une enveloppe très simple, cette bicouche phospholipidique, comme on l'appelait. On croyait que c'était très simple. Et finalement, on vient de découvrir, la biologie découvre en 2018 que cette membrane cellulaire, c'est l'endroit où l'intelligence cellulaire a lieu. C'est l'organe sensitif de la cellule. C'est pas seulement une double couche qui est à la fois hydrophile et lipophile, c'est structuré par des passages, des canaux, des antennes, des systèmes internes de connexion. C'est comme nos organes d'essence qui sont aussi issus de notre ectoderme embryonnaire. Chaque cellule a son organe d'essence dans sa périphérie, dans sa membrane cellulaire. Donc, une fois qu'on sait que l'intelligence du vivant a lieu dans l'enveloppe du vivant et non seulement dans son noyau, on va aborder les choses différemment. Donc, on comprend les arbres, lorsqu'ils fleurissent ou lorsqu'ils mettent leurs feuilles, ils se créent une enveloppe à l'intérieur de l'arbre. Il y a beaucoup moins de vie en action qu'en périphérie. C'est la présentation d'une couronne en fleurs. Le bord d'une forêt, une lisière de forêt, a sa fonction, c'est d'envelopper la forêt. On ne voit pas à travers une forêt naturelle. C'est lorsque c'est des plantations artificielles que l'homme aligne les arbres et puis laisse la forêt ouverte à tous les vents et à tous les dessèchements, naturellement. La forêt naturelle veut ça. La forêt veut être structurée ainsi. Elle a besoin d'une enveloppe naturelle. La lisière forestière, c'est l'organe le plus essentiel de la forêt. Et lorsque cette lisière est extrêmement vivante, se réduit à la lisière et il n'y a pas de forêt, on appelle ça une haie ou bien un cordon boisé.
Donc la forêt a besoin de cette enveloppe, et à l'intérieur de la forêt, vous avez une autre atmosphère, ionisation de l'air, humidité, température plus basse, les sols sont beaucoup plus profonds, capables de stocker de l'eau comme aucun autre sol ne le stocke, et ces forêts réenvoient la moitié de l'eau dans l'atmosphère, elle reste et dans les sols et restituée aux sources et aux rivières. Et c'est pour ça que les forêts sont vraiment la source des sources, dans le vrai sens du terme. Donc la nature a vraiment ce principe, c'est que tout ce qui est vivant, et la Terre peut être considérée comme un organisme vivant, sitôt que c'est possible, la Terre, la nature met en place des arbres. Et les premières îles qu'ont trouvées les, on appelle ça encore les conquistadors, ils n'ont rien conquis du tout, ils ont plus les destructadores, ont trouvé des îles complètement boisées, qui ont été déboisées par la suite. L'Europe était couverte de l'Atlantique à l'Oural, sauf les steppes d'Ukraine et de Hongrie, peut-être, mais le reste, c'était vraiment boisé. Et ces sols forestiers ont été les futurs sols agricoles. Les forêts ont donné leur sol pour l'agriculture, au départ très fertile. Forêt tropicale, enveloppe vivante, et c'est vraiment l'organe le plus précieux de la Terre qui protège la ceinture tropicale. Un schéma de la forêt, bien sûr, l'agroforesterie, c'est des haies avec cette incroyable fertilité, mais ces haies doivent être jointes, doivent être jouxtant les forêts, et on ne peut pas avoir un système uniquement basé de forêt. C'est toujours important d'avoir un noyau forestier, parce que c'est là qu'a lieu encore la vie naturelle, toute la biodiversité naturelle. Le système forestier est un système en tant que tel, c'est un organisme qui a besoin de vivre, et c'est cet organisme forestier aura ses rivières végétales qui vont s'écouler. Il faut que les haies soient toujours connectées à une forêt pour que, par exemple, la faune puisse circuler dans un milieu entièrement naturel. Ce qui est intéressant, c'est que les arbres sont sous tension électrique. Les arbustes aussi, les plantes annuelles aussi, et on pratiquait autrefois, on le fait encore aujourd'hui, l'électroculture. Ce qui est intéressant, c'est que les arbres sont très importants. Là, c'est au niveau d'hypothèse qui est en train d'être étayée. C'est que les arbres sont très importants pour l'électrification des sols. Ces sols d'agriculture soi-disant intensive sont électriquement probablement extrêmement problématiques, alors que les sols très fertiles de cette agriculture de mixité proche, culture en butte, là, on est en train de réexpérimenter la mise en place de courants électriques. On peut le faire artificiellement avec des antennes, mais on peut le faire très probablement avec des arbres qui font vraiment paratonnerre et qui amènent des électrons, des flux électroniques dans les sols. Lorsque vous faites du grounding, du earthing, la reconnexion à la Terre, mettez-vous pieds nus. La médecine vient de découvrir que ça fait diminuer les états inflammatoires à cause de cet effet antioxydant des électrons qui nous retraversent. Donc, laissons retraverser les cultures par ce flux électronique. Voilà. Alors, l'agriculture, est-ce qu'elle a besoin d'avoir 100% de ce qu'elle prend à la nature pour en faire ça? Ou bien, est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus intéressant de partager? Et ce partage, à quel niveau faut-il le faire? Un bocage, des forêts, celle-ci, elle devrait être connectée. À quel niveau expérimenter? Quelle proposition pour mettre en place cette nouvelle agriculture? Je propose la loi de Pareto. C'est la loi des fainéants, des flemmards, des paresseux. On obtient 80% d'un effet désiré avec 20% de l'effort. Et les gens qui sont vraiment pas très malins essayent d'avoir 100% des effets et ont besoin d'ajouter 80% des efforts. C'est une dilapidation d'énergie inutile. Les agroforestiers vont travailler dans ces 20%, peut-être moins, mais essayons d'abord de manière sûre, essayons de remettre 20% de cultures naturelles, arborées, structures de haies, etc. Et voyons ce qui se passe pour notre système. Donc on aura les miracles de l'Éthiopie aussi dans nos cultures intensives européennes. Voilà une proposition. Je voulais aborder ça aussi, ces nouvelles formes de l'eau à l'intérieur des plantes, à l'intérieur de l'arbre en particulier.
Je vous rends attentif à une conférence très très intéressante qui aura lieu samedi. Je n'ai pas besoin d'en dire plus ici, mais j'avais déjà prévu de le faire pour montrer ces nouvelles formes de l'eau qui sont particulières, présentes dans les arbres lors de la photosynthèse. C'est de l'eau en quatrième phase, en phase 4, qui a des propriétés tout à fait étonnantes. Et c'est cette eau-là qu'on a la possibilité de réintroduire dans les sols lorsqu'on cultive les sols, et en particulier lorsque c'est des ligneux qui sont vraiment les moteurs des cycles hydrologiques. Les arbres et les cycles cosmiques, c'est un sujet pour soi, je ne vais pas l'aborder ici. Juste pour rappel, c'est que vous pouvez mettre des électrodes sur les arbres, vous pouvez mesurer ça avec un voltmètre, c'est tout simple. Vous allez voir qu'il y a des fluctuations jour-nuit, des fluctuations lunaires, on a fait des thèses entières là-dessus. C'est absolument fabuleux, vous avez des marées bioélectriques dans les arbres. Et tout ça, c'est un flux qui va jusque dans les sols et qui va nous réalimenter les sols en électricité naturelle, entre autres, ionisation de l'air, c'est encore un autre aspect de ces phénomènes. Voilà, lorsqu'on va aborder les grands reboisements dont on a parlé pour l'Éthiopie, toute cette grande muraille verte, il y a des biotechnologies qui sont déjà prêtes à être utilisées. C'est par exemple que les graines qu'on met à germer, on les trempe dans l'eau. On s'est rendu compte qu'il y a de la chronobiologie lunaire là-dedans. L'absorption d'eau par les graines fluctue en fonction des phases lunaires. Lorsque vous trempez des haricots pour les cuire 2 jours avant la pleine lune, faites la même chose 2 jours après la pleine lune, vous allez voir que les haricots absorbent différemment l'eau. Vous les pesez juste avant et après, et vous allez voir qu'il y a des fluctuations très intéressantes. Donc ici, on a des vraies biotechnologies qui sont très efficaces, qui permettent ensuite de réussir des pépinières et de réussir des reboisements autrement qu'en y allant à l'aveugle. Voilà, l'arbre et la forêt sont finalement à la source des sources. Allons nous y désaltérer. Merci.